Bonsoir. Ça va les naïfs? Non mais franchement quoi, c'est genre... Vous y croyez vraiment ou... Enfin je veux dire, vous pensez vraiment que Twitch envoie des notifications Fildrong vous a offert un sub à Amourante pour la Saint-Valentin? C'est quoi ce bordel? Vous vivez dans quel monde là? Non mais franchement... Ah putain. Pourtant j'ai bien rajouté, pour pas que ça fasse bait, j'ai bien rajouté pour la Saint-Valentin. J'y ai cru. Non mais les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, s'il vous plaît. On se respecte. On est entre gens qui se respectons. Il est où mon sub? Je sais pas, Tigogor, t'as recherché dans la chatte à ta mère ou tu veux qu'on en parle? Pardon, excusez-moi. Ça va sinon, les gars? Bon, comment ça va, les gars? Alors, la team célibataire? Ou alors, non, 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 pire, la team. Non, mais moi j'ai une meuf, mais je fais pas la Saint-Valentin parce que c'est commercial. Moi, la Saint-Valentin, c'est toute l'année avec ma meuf. Qu'est-ce que vous faites de beau le soir de votre Saint-Valentin de célibataire? C'est Paris qui joue, ok, d'accord, très bien. Je dessine. Team en couple, mais on regarde Fildrong, ok. Palworld, meilleur jeu de la Saint-Valentin. On te regarde en couple. Non mais allez, allez au resto. Si vous regardez en couple, les enfants, ok. Vous regardez en couple. J'ai une bonne nouvelle. J'ai un truc pour vous qui êtes en couple. Vous allez pouvoir prendre une capture d'écran. J'ai fait une carte de la Saint-Valentin pour vous. Vous pouvez l'envoyer à votre crush. Voilà. Vous pouvez la screen ou je sais pas quoi. Et vous l'envoyez à votre crush. Si vous voulez. Voilà. Et si vous le faites pas, vous êtes nul. On dit comme ça. Je l'ai envoyé, j'ai actuellement 5 enfants. Eh ouais, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité. Eh ouais, eh ouais. Mais oui, mais les gens comprennent pas. Comprennent pas. Merci Passier. HCHEP pour ton sub, c'est adorable. Merci beaucoup aussi. Il y a eu des subs tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu serais pas un girafarig parce que je te prendrais bien dans les deux sens. Celle-là, elle est. Celle-là, elle est. Elle est. Elle est. Celle-là, elle est pas mal. Je préférais la mienne, elle était plus mignonne. Tu serais pas de type électrique parce que je te trouve électro-cute. Voilà. Tu serais pas un bloc de redstone parce que t'actives mon piston. Non, mais pas de référence. Les références sexuelles, hein. C'est pas mon genre. Tu serais pas Fildrong parce que tu soulèves ma mère. Ouais, non, pas efficace, pas efficace. Après, tu peux faire un truc genre. Quand je te vois, je me sens comme bite en bois car tu me rends tout dur, tu vois. Un truc comme ça, mais bon. Est-ce que vraiment c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut. La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, pas la fête du sexe, tu vois. Merci pour la carte de Saint-Valentin, c'est instant envoyé à ma copine. Ah bah écoute, avec plaisir, mon bro. Alors attendez. C'est la Saint-Valentin. Ouais!
Et nous, on n'a pas besoin de la Saint-Valentin parce qu'on n'a pas le world. Et ouais, les boys. Merci le Breteur pour ton sub. Merci beaucoup. Franchement, je pense que... Vous préférez avoir une meuf ou être niveau 50 sur Palworld? Non, vraie question, vraie question. Vous préférez avoir une meuf, mais si vous avez une meuf, vous n'avez plus jamais le droit de regarder du contenu de Fildrong ou regarder Fildrong. Oh le débat. Oh le débat. Une meuf en... C'est pas grave. Non, alors, voyons-le comme ça. Vous préférez avoir une meuf directement là maintenant, vous trouvez une meuf. Dans la semaine, vous trouvez une meuf. Mais en échange, vous pouvez plus jamais regarder Fildrong. Ou vous gardez vos chances actuelles d'avoir une meuf. Mais vous gardez votre vie normale. Voilà, c'est ça. Êtes-vous prêt à sacrifier Fildrong pour ça? Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Je garde mes chances actuelles. D'accord, d'accord. Ça dépend si c'est l'amour de ma vie ou pas. Ah bah ça, tu peux pas savoir. C'est peut-être une meuf qui va te quitter dans 6 mois. Mais si elle t'a quitté dans 6 mois... tu peux quand même pas regarder Fildrong. Alors, vous faites quoi? Alors, on va jouer à Palworld ce soir. Bon, alors, pour ceux qui... Parce que je live beaucoup l'après-midi, Palworld. On commence à arriver... On est niveau 40, notamment. Donc, on commence à arriver vers la fin du jeu. Je commence à faire des explorations un peu plus... qui vont un peu plus loin, à capturer des Pokémon un peu plus forts. On a notamment une nouvelle monture qui est un peu plus énervée. J'ai déjà fait la connerie de tout sacrifier pour une meuf. Ah non, faut pas ça. Hein. C'est fini ça. C'est bien quand t'es jeune, mais... Ah oui, je voulais un Bushi dans mon équipe. Alors, je voulais capturer un Pokémon feu. On va... Si elle t'a quitté, tu peux regarder Fildrong. Ah non, 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 bah non. Eh non, bah non, sinon c'est trop facile. Sinon je te dis, bah t'as une meuf, mais le jour où elle te quitte, tu peux re-regarder Fildrong. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Merci Samlis pour le sub. Bon allez, on va faire un peu d'exploration dans la zone de feu. Aujourd'hui, j'aimerais bien capturer des nouveaux Pokémon. Zone de feu qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup explorer. Et on a une nouvelle monture qui s'appelle Feu dans le cul. Ça changera de plume dans le cul. Et il a notamment l'attaque tempête ardente. Qui fait ça. Qui est un peu nul en vrai. Ça par contre c'est... Oh, c'était quoi ça? Oh, il a explosé derrière. C'est quoi cette balle nulle là? Alors eux, ils sont cool. Faudrait qu'on en capture plusieurs. Avec une terrasse sphère, parce qu'ils sont haut niveau. Vous voyez, on a step up de ouf hein. En level. On essaie de capturer des Pokéfions. Genre ça là, on en a pas beaucoup des Lispunk. Je vais les tuer si je fais l'éclat d'ombre ou pas. Ah. Putain mais c'est trop fort ce combo. Ah ils m'attaquent tous maintenant. Aïe aïe aïe. Eh oh oh. Oh là, lui m'en veut, lui. Non mais, vous pouvez arrêter de vous échapper des sphères, s'il vous plaît. Le but, c'était pas de galérer, en fait. Merci. Ah mais 26% de chance de capture seulement, j'avais pas vu. Ok.
Alors on est toujours dans le jeu où on peut tuer les Pokémon avec des pistolets, voilà. C'est toujours le plaisir de ce jeu. Faut qu'on essaie de capturer les Dumud aussi. Non mais par contre tu casses les couilles. Hop. Vraie question les gars, il y en a qui me suivent depuis des années. Et il y en a qui, depuis que vous me suivez, vous avez eu des meufs. C'était quoi comment votre meuf... est-ce que vous avez des meufs qui étaient compliquées par rapport au... Merde, oups, il est mort. Ah non, il est vivant. Nice. Comment votre meuf réagissait vis-à-vis du fait que vous regardiez Fildrong? Est-ce qu'il était... Oh, regardez tous ses talents à lui. Chef d'abattage coursier. Ça peut être pas mal en vrai, chef d'abattage. Elle en avait rien à foutre, elle était américaine, elle était pas au courant. Elle m'a quitté pour ça. Non, The Fast, dis-moi que c'est pas vrai, s'il te plaît. Je pourrais pas supporter ce genre de nouvelles. Si je suis à l'origine d'une rupture, ça va être trop dur à... Chiant, lui. Ah ouais, non, mais je le capture à peine, là. Ils sont horribles, eux. Ah putain, mais mon feu dans le cul est quasiment facile. Mort aussi, j'avais pas vu. Merci, El Tino. Ah, il a tué ma monture. Ah bah, il avait vraiment le feu dans le cul, lui. Hein. Putain. On va devoir aller soigner, du coup. Allez. Bon bah super. J'espère que vous avez aimé mon exploration. Attendez, il faut qu'on refasse des balls aussi. On en a plus. Ah mais c'est parce que feu dans le cul, il est super low level, j'avais oublié. Je suis trop con, il faut pas que je me batte avec. Il est super bas niveau. Bah oui, je viens de le mettre dans mon équipe. De type passier. Gros con. Bah oui, non mais je réfléchis pas. C'est pas avec lui que je dois me battre. Merci beaucoup Epic Green Goose pour le sub. De type passier. Merci Lindy. Regardez cette équipe là, pour ceux qui sont pas venus depuis longtemps. Regardez le nombre de gars qui m'aident. C'est pas beau ça? On refait des Pokéballs. Salut Fifou, grâce à ton image, j'ai pécho mon pote. Avec plaisir mon bro. Évidemment, hein, c'est évident que vous allez pécho avec mon truc. Les gens sont des rageux, hein, ceux qui vous disent que non. On a gagné de la viande de Dumud. Alors attendez, parce que du coup, vraie question. Là, on a un Dumud ultra vénère. Hein. Il a vitesse de déplacement augmentée. Il augmente ma capacité d'abattage et il tape plus fort. Il augmente l'attaque des pales de type terre. Ouais, bon, en vrai, c'est un peu osef. Moi, j'aimerais bien en avoir un comme ça, mais avec un talent, du coup. Je cherche à mettre un nouveau pal dans mon équipe, mais pour l'instant je n'ai pas. Faire un newslog sur Palworld. Ah ouais. 19% de traîtres. 19% de... Moi ma théorie c'est
19% de gars qui n'ont jamais eu de meuf et qui surestiment complètement le fait d'avoir une meuf. Vous savez, je vais vous dire un truc. Merci Shanks Manuel pour ton sub, c'est adorable. Quand j'étais puceau, que je jouais à World of Warcraft, je me rappelle très très bien qu'à un moment j'étais en mode « Ouais, est-ce que je serais capable d'abandonner complètement mon personnage, de le supprimer ?» Et en échange, j'ai une meuf et j'étais en mode « Bien sûr que je le fais. » Aujourd'hui, jamais de la vie. jamais de la vie. C'est quoi cette histoire ? Une meuf, c'est overrated, les mecs. Mais bon, c'est normal. Si vous êtes jeune et tout, c'est normal. Vous êtes en mode... Moi, je garde mon personnage sur World of Warcraft maintenant. Hein. C'est bon, quoi. Hors de question. Bon, du coup, on est un peu coincé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher du soufre. On va souffrir. Vous avez compris la ref. Jamais je supprime mon compte Genshin pour une michto. Non, mais tellement. Est-ce que si... Ok, nouvelle question. Si on vous dit... t'as une meuf, mais tu dois... En échange pour avoir cette meuf, tu dois supprimer tous tes shiny. Aha! Plus de shiny. Les shiny, c'est fini. Je le fais easy, j'en ai zéro. Ouais, mais non, mais je parle à ceux qui aiment les shiny. Évidemment, si vous en avez pas, bon, c'est encore une autre histoire. Lui, je crois que je l'ai pas, le Gopfengnis. On va lui tirer une balle dans la tête, là. Ça c'est le plaisir de ce jeu. C'est vrai que... J'aimerais bien pouvoir capturer des Pokémon comme ça, en vrai. Il y a un petit côté... Tu. J'ai jamais fêté la Saint-Valentin en 19 ans, je vis bien, c'est vrai. Moi, je vais vous dire, les mecs, ça faisait... Pourquoi j'ai froid, là ? Non, mais t'es sérieux, j'ai froid, hein ? C'est l'hiver ou quoi ? Vous avez compris la ref. Ok. Allez, je perds de la vie, là. Je vais vous dire, moi, c'est la première fois depuis 2018 que je fais... Bon, ça devrait suffire, je pense. Ouais, ça suffit. C'est la première fois depuis 2018 que je fais une Saint-Valentin en solo. Voilà, toutes les Saint-Valentin depuis 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, j'avais une meuf à chaque fois. Et en vrai, c'est bien de se dire que c'est une soirée normale, en vrai, de temps en temps. Et d'ailleurs, vous savez, ce que j'ai mangé ce soir, pour ma Saint-Valentin, bah j'ai mangé des pâtes au fromage. Donc vraiment, en mode, j'en ai rien à foutre, j'étais en mode... Voilà. De la poudre à canon. Bon, on attend que le... Non, s'il y a des gens qui arrivent et qui sont en mode « Waouh, merci pour le sub à Amourante », dites-leur en mode « Waouh, trop bien, toi aussi, t'as eu la chance. » On va les bait un peu. On va les piéger. Ouah, c'est trop bien, t'as eu un sub à Amourante, mon boy. Quoi comme fromage dans tes pattes? De l'emmental, marque repère. Et ouais.
Et ouais. Est-ce que je peux me faire... Ah, au niveau 40, je dois pouvoir me faire une arme un peu mieux que le pistolet, attends. Je peux me faire un fusil à pompe dévastateur à courte distance. Tu utilises avec des balles de fusil à pompe. Ah, je peux me faire la lance de Lily aussi. Ça, c'est hyper fort, il paraît. Et une lance-fer. Quoi? Il me faut du tissu. Putain, je peux le faire, c'est stylé. La lance de Lily. Vas-y, on va essayer la lance de Lily. Merde. Ah, je vais faire du tissu. Il en faut 20, hein. Et mental, marque repère, tu as le droit aux fromages quand tu es végétarien. Bah je sais pas, à ton avis. Non, 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 attends. Viens travailler plutôt. Non, je suis pas vegan, les gars. En vrai, il y a un monde où on finit le live sur Euro Truck Simulator. Hein. Je sais pas si je vais jouer longtemps à Palworld. En fait, j'ai pas de plan pour ce... Tout comme je n'ai pas de plan pour la Saint-Valentin, je n'avais pas de plan pour ce live. Donc on verra. On verra ce qu'on fera après. Pour l'instant, on chill, on parle. C'est cool. On n'est pas nombreux à avoir un plan ce soir. Et toi, Violette, alors, donne-nous ton point de vue de meuf. Enfin, de trappe, pardon, excuse-moi, j'ai failli dire meuf. Ensuite, il me faut des polymères. Ah, je peux pas en faire 20. Il me faut des fluides de pâle. Je n'ai pas assez de pâle. Attends, faut qu'on va remettre la poudre à canon parce qu'en fait j'ai tout dans mon inventaire et c'est méga lourd. Merci. Il y a 4 ans, on m'a largué le soir de la Saint-Valentin. C'est vrai que la Saint-Valentin, les gars, on a tendance à l'oublier, mais il y a beaucoup de ruptures le soir de la Saint-Valentin, effectivement. Ouais. C'est très, très classique, les ruptures de la Saint-Valentin. Je crois que les soirs dans l'année où il y a le plus de ruptures, c'est la Saint-Valentin et le 1er de l'an. Le 31 décembre, il y a énormément de ruptures aussi. On va récupérer du métal. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, il y en a un peu quand même. Mais en vrai, quand on y pense, ça fait sens, hein, parce que c'est des dates qui sont... symbolique en fait, si vous voulez, donc ça fait complètement sens qu'il y ait ça en fait, enfin que ça se passe comme ça. C'est bon, il a ressuscité mon plume dans le feu là, mon feu dans le cul. Ça doit être bon là, ça fait 10 minutes je pense. Ouais, c'est bon, il est bon. Ok, allez, on y retourne. En vrai, j'ai trop de bouffe. Ça pèse lourd ou pas? Ça pèse méga lourd, mon pain fourré. J'en gardais moins quand même. Hein. J'en ai trop, là. J'en ai 500. Attends, je vais mettre dans le frigo. Puis je prendrai petit à petit. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à transporter à chaque fois. Vas-y. On retourne à l'exploration, du coup. Allez, on retourne dans le désert. Ah, toi aussi, t'as eu le sub à Amourante, mec! GG! Alors, pour ceux qui veulent savoir, du coup, en gros, ce qui s'est passé, j'ai offert 700 subs à Amourante. Si vous l'avez eu, félicitations, les boys, vous êtes hyper chanceux. Profitez de votre mois à regarder des boobs. Bravo! Euh...
Ok, vas-y, on va faire un peu d'exploration là. Merci Fifou, je t'aime. Bah écoutez, moi ça me fait plaisir de faire plaisir à ma communauté. Je sais que vous êtes des gros dégueulasses et que vous voulez absolument regarder Amourante. Oh non, Ingins qui offre un sub à Amourante. Quelle est la probabilité qu'Amourante voit cette notification? 0. Mais merci beaucoup. Écoutez, on en parlera à Amourante, on lui dira... Non mais Amourante, franchement, est-ce que t'as déjà regardé les aventures de Michel? Et là, elle vous fera... Bah non, qu'est-ce que c'est les aventures de Michel? Là, elle vous fera avec l'accent anglais, elle fera... Oh no, what is Michel true? Please tell me about him. I want to know all about him. Et là, vous serez en mode... Listen. Listen-moi bien. Listen-moi bien, Amourante. You wanna listen to me, Amourante? Ok. Amourante, you will listen to me now. So, basically... So, basically, Fildrong is a French streamer. And Michel is a mayor of one town in France. The name is Saint-Cernin-en-Orance. So you see, in Saint-Cernin-en-Orance, there is a mayor, and his name is Michel. And Michel is very old, but he's very nice. Comment tu fais pour utiliser des armes à deux montures? Tu dois zoomer. Putain, mais j'ai des talents de ouf sur mes Lispunk. Dommage que j'en veuille pas, quoi. Moi, c'est pas des Lispunk que je veux, c'est ça. Je veux des Ragnarok. Ah! Non, c'est bon. Oh, sa vie! Oh, le vital! 50% de chance de le capturer, j'ai trop géré. Franchement, ça mérite. Merci, ça mérite de ouf. Merci, that little slug. J'ai un gros projet en art. Va finir pour demain, et le fait que tu sois en live maintenant va bien m'aider. Ah, ma petite amie est malade, je ne peux pas la voir. Traître. Traître à la cause. Eux, ils sont trop chiants, eux. Je les aime pas, eux. Ils sont agressifs comme tout. Les Van Wyrm, là. Ils s'énervent. Oh, il y a des ruines en haut. On va aller voir les ruines. So, yes, sorry, Amourante. I was talking about Michel. So, Michel, yes. So, Michel, you see, he's very old. He's a K-Morse. You know K-Morse? Haha. Fun. It's a Pokémon. Because you know Fildrong is very funny. Maybe you should try to meet him. Because he's a good guy. And he cooks well. Oh là là. Aou, 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 aou. Ok, j'ai 8 sur 10 Van Wyrm, donc j'ai quasiment fini les Van Wyrm, ça c'est cool. Qu'est-ce que c'est que ce truc marron là-bas? Un trésor. J'ai menti, c'est pas un date, tu peux te rhabiller, on va aller voir le lord de Bitantron. Bah ouais. Ah mais vous faites pas ça, parce que c'est vrai en vrai, il faut faire ça. Hein. C'est conseillé hein, d'ailleurs. Ils ont des... Ah ouais, mais plume dans le cul prend des dégâts en fait quand ça se passe. Ah, ok. Ah, waouh. Merde, j'ai pas tué. Tu as une... Il est presque dans le mort.
Non, mais il faut que je lui monte les levels avant de pouvoir faire ça. C'est pas possible. Il est remort. Ma monture volante est morte. Aïe! Oh, il est trop relou, lui. Ils sont trop relous, eux. Feu dans le cul est encore mort. Enfin... Il est féroce. Il me faudrait une technique pour leur monter les niveaux un peu mieux, là, parce que c'est... Salut mon boy, t'énerve pas trop sur moi s'il te plaît. Non mais sérieux. Il m'a dodge, c'est quoi ça? Un organe d'allumage. Petit passier. Oh, il y a un coffre là-bas. Merci Anto DRX pour ton sub. On n'aura jamais de Ragnarok avec un bon talent, hein. Ça n'a aucun sens. Bon bah écoute, on y retourne, hein. On doit retourner se soigner parce qu'on est des grosses victimes. Petit passier. Merci Mr. Q. Merci Monsieur Q. Merci de m'avoir offert un sub. Y a pas de souci Monsieur Q. J'espère que tu profiteras bien de ton sub à Amourante. Un jour on aura un Ragnarok avec un bon talent. Mais pas aujourd'hui, pas demain. Oh c'est quoi ça, y a une maison? Attendez. Ah non, pas du tout une maison. Tu l'appelleras Amourante si vous voulez. Vous savez quoi, le Pokémon qu'on rajoute, le pal qu'on rajoute, on l'appellera référence à la Saint-Valentin. Tu veux avec Sprinter? Bah ouais, j'aimerais bien avoir un... Bah en vrai j'ai déjà un Pokémon avec Sprinter, donc c'est pas si gênant. Mais j'aimerais bien que... Waouh. J'aimerais bien quand même... En fait, je veux trouver un type feu avec un bon talent, en fait, c'est surtout ça. Pour l'instant, j'en trouve pas. J'en veux un. Et je ne perds pas espoir. Parce que je veux un type feu dans mon équipe, en fait. Allez. Le fait qu'il y ait tous les habitués, ça me détruit. Bah, pff, les fans de Pokémon, hein. On est tous des célibataires, hein. Bon, il faut que j'arrête de sacrifier feu dans le cul. Par contre, ça m'énerve un peu. Je joue un peu mal. Lui, il a appliqué une nutritionniste. Mais bon, pff, en vrai, c'est de la merde, quoi. Enfin, c'est bien, mais... Après, ça peut être pas... Non, il est très bas niveau. Tu vois, c'est pareil. En fait, j'aimerais bien avoir lui, mais avec un bon talent, quoi. Je te demande pas le talent opti, mais je demande juste un talent bien. Je sais pas si... Tu vois, genre lui, il a Sprinter, là, mais bon. En vrai, je pourrais le mettre en attendant. Ok. Ah, sinon, je peux prendre lui, là, mais bon... Il a chef d'assaut en plus, hein, c'est vraiment fort. Mais bon. En fait, il est trop utile dans mon camp, j'en ai trop besoin. Pas sûr que Sunday approuve ce titre de stream. T'as quelques années de retard, toi. Bah écoutez les gars, hein, faut s'y faire, hein, ça nous lâchera jamais. Hein. Ok.
Mais non, mais on banne pas. Bon, bah, on a 10 minutes. Ah, je sais ce qu'on peut aller faire. Attendez. Il me manque un Petalia, je crois, et on aura les 10. Petalia, c'est un Pokémon qui est très fort et qui est... Enfin, un pal qui est très fort dans ton camp, notamment, parce qu'il t'aide beaucoup. Enfin, il est bien pour t'aider. C'est lui, là. Et comme j'ai dans mon équipe, j'ai envie de le... J'ai envie d'en avoir d'autres, quoi. Vas-y. Normalement, je vole, mais là, je vole plus, donc on y va à pied. Lapsus avec Pokémon. Ah, mais c'est pas un lapsus. Je dis Pokémon à la place de Pal. Hein. Je dis Pokémon. Je préfère dire Pokémon. Je dis Pokémon. Je le confirme. Je l'assume. Vas-y, Micheline! On va le capturer dans une gigasphère. J'essaye d'économiser des balles. Je suis un rat. T'es mal à taille du rongeur. Hein. Vas-y, Petalia! Ah non, non, attends, stop, 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 stop! Il va la tuer, il va la tuer! Ça suffit. Merci. Ok, normalement j'ai fini les pétaliens. 10 sur 10, parfait. Considère l'envergure du surmulot, exactement. Alors il y a un endroit où je voudrais aller, c'est là. Vous savez quoi? Ah ouais, mais j'ai pas de monture. On va aller au nord. On va aller au nord dans le désert. Vous avez fait des balles là? Allez au travail là, esclave. Oh, il me faut du ciment. Hop. Putain, j'ai plus de fluide de pâle aussi. Oh là là. Mais après ça, on peut les acheter, donc c'est pas très grave. On peut tout acheter. Il ressuscite dans combien de temps le gars hein? Minutes 56. Ah merde, on est pas tout de suite. La meilleure Saint-Valentin, c'est avec toi. On va dire que c'est mignon, quoi. Où est-ce qu'on peut aller là? Qu'est-ce qu'on peut aller faire sans... On va aller miner comme des grosses victimes. Waifu drong. Bah en vrai je suis un peu une waifu, non? Ici aussi. Use Mandrong. Did you assume my gender là?
Ok, ok, ok. On a chopé du métal. Oh, il faut que j'aille chercher du charbon. C'est infini le grind dans ce jeu. Bah, c'est parce que j'essaie de capturer plein de Pokémon aussi. En vrai, je peux continuer le soufre. Comme ça, j'en ai d'avance. Parce que le soufre, je suis pas obligé de voler pour y aller. Avoir chaud là. Non, ça va. Faudrait que je tente le boss aussi. Hein. Ce boss là, je pense. Je sais pas si je peux le faire encore ou si c'est encore trop tôt. Je me demande si c'est pas un peu trop tôt encore. Bonsoir, Taser. Je préfère que tu m'appelles Fildrong, si c'est possible. Je préfère être... C'est connu que je m'appelle Quentin, mais je suis plus à l'aise avec... avec le fait d'utiliser mon pseudo. C'est possible. À faire un troisième camp pour le charbon. Ouais. C'est vrai. Rentre dans la Pokéball! Casse pas les couilles! Regardez, mon chien me saute avec moi, c'est trop mignon. J'avais jamais remarqué. Oh, il a féroce! Peut-être que lui, je peux le rajouter dans ma team, le Reptiro, c'est cool. Oh, vas-y. Ça a l'air cool comme Pokémon. Il faut. Enfin, ça a l'air cool en vrai comme. Oups, j'ai tiré. Tirer Reptiro dans l'équipe. C'est un type feu, il a l'air sympa. C'est pas mal parce que j'ai pas de Pokémon statut bourrin. On va prendre ça. L'épée dans le pseudo, ça signifie quoi? C'est un modérateur de la chaîne. C'est-à-dire que si tu l'embêtes, tu es banni. Ok, 30 secondes, parfait. Alors, attends. Donc, Reptiro. On va trier. Il est où, Reptiro? Lui, il a impulsif, sinon. Hein. Attaque plus 30% quand même, c'est pas mal. Hein. Ragnahawk. Mais je pense que je préfère Reptiro. Attends, il est où Reptiro? Il est où? Doko Deska là, Onegaishimas. Putain, je suis aveugle. Ah, il est là. Ah oui, d'accord. Attaque plus 20%. En vrai, il a l'air cool, Reptiro. Oh, il a une attaque, ça s'appelle éclat volcanique, ça a l'air vénère. Hein. Ouais, CT45. Lève ses pattes en avant et les fait s'écraser sur le sol pour provoquer une éruption. Attendez, il faut qu'on teste ça. Tirer Petit Roux dans la team, pourquoi pas en vrai. Hein. Type feu. Du coup, ma team, ça ressemblerait à ça pour l'instant. Eh ben, on peut reprendre l'exploration. Plutôt qu'aller dans le désert, vous savez où on va aller? On va viser... Je voulais finir d'explorer cette zone, en vrai. Vous savez quoi? On va finir d'explorer cette zone.
Comme ça, c'est un peu moins vénère pour notre Pokémon qui est bas niveau. Parce que le désert, c'est un peu, c'est quand même un peu énervé. Là, c'est une zone qui est un peu plus bas niveau, donc ça devrait aller. Allez, feu dans le cul. Parce que le pauvre feu dans le cul, il est que niveau 29. Hein. Alors, on explore la zone, du coup. Les bigardes, on les a tous, c'est bon. Oula. Un œuf. On ramasse tous les œufs qu'on trouve. C'est un peu chaud le désert. Pas mal, mon bro. J'ai la ref, j'ai compris. Parce qu'en fait, dans le désert, pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, dans le désert, il fait chaud. Et du coup, bah, il a dit dans le désert. Voilà. Si vous avez besoin de plus d'aide sur vos sur les blagues, n'hésitez pas. Hein. Elle. Casser les couilles tous les trappes là sur ce Discord. Salut! Ah, c'est déjà pas tué? Tempête ardente! Aïe! Il est un peu bas niveau. Aïe! Feu dans le cul! Attends, on va se battre avec quelqu'un d'autre. Ça suffit, stop! Micheline! À l'attaque! Bon, ça va pas se passer pareil, les bros, hein. Tiens, je te mets des coups de lance tellement c'est honteux. Ça va, Micheline? Tu peux leur taper dessus, s'il te plaît? Merci. Voilà! Ça, c'est ce qu'on veut. C'est quoi le Pokémon emprisonné? C'est ça, là. Oh, on en a pas beaucoup, enfin on les a pas tous. Il est complètement bugué. Oh! Oh mon esquive! Il y en a un, je crois. Ah, mais il y en a un qui est dans le sol, c'est pour ça. Okay. Complètement bugué. Salut! Gigasphère, ça devrait suffire pour lui. Merci pour la chaîne, pour le sub sur la chaîne d'Amourante. Mec, avec plaisir. Bravo, t'as eu de la chance. Hein. Il y en a beaucoup qui le voulaient, ce sub offert, mais pas beaucoup qui l'ont eu. Hein. Alors, ensuite, là, il y a une âme. Et là, il faut qu'on monte dans le ciel. Si vous avez eu la notification comme quoi un sub vous avait été offert, c'est 100% legit. Hein. C'est vraiment... c'est 100% legit. Bah, de toute façon, vous me connaissez. Moi, Fildrong, j'essaierai jamais de vous arnaquer. Je veux dire, évidemment. Évidemment. J'ai eu le sub aussi, comment on fait pour le récupérer? Alors, pour le récupérer, c'est très très simple. En fait, il faut que tu ailles sur ton PayPal. Et en fait, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu récupères ton mail associé à ton PayPal. Et, c'est très important, ton numéro de compte, ainsi que ton mot de passe. Et en fait, tu dois l'envoyer à l'adresse suivante. contact.fildrong@gmail.com et une fois, retiens bien, hein, c'est un peu compliqué. Après, tu dois envoyer 10 euros et après, une fois que tu auras envoyé 10 euros, tu seras sub à vie à Amourante. Mais genre à vie, hein, genre jusqu'à la fin de tes jours. C'est ultra rentable du coup. Tu payes que 10 euros et t'es sub à volonté.
Genre, t'imagines pas à quel point les gens en rêvent de ça. Vraiment, je vous donne une chance de ouf. Et j'espère que bah, vous apprécierez cette chance que je vous donne, quoi. T'as enfin trouvé ta monture avec Sprinter 3. Non, il a Sprinter 2. Mais c'est quand même pas mal. Donc je le garde. Ça a l'air stylé ici, là. Merci du filon. Pas de soucis, les gars. Il y a un truc que vous pouvez faire aussi. En gros, c'est un truc qui a été mis en place par Twitch sur pour la soirée du Saint-Valentin exprès. En gros, si vous subez à ma chaîne, vous allez automatiquement être subé aux chaînes de toutes les streameuses du monde. Genre toutes les streameuses, absolument toutes. Genre même Bobby du 12. Voilà. Si vous vous subez, ça vous donne plusieurs milliers de subs. Même fifounette, mon gars. Petit passier. Merci Jésus-Christ, j'espère que ça marche. Bien sûr que ça marche. Tu peux confirmer Jésus-Christ, tu veux que tu es désormais bien abonné à toutes les streameuses sur Terre. Parce qu'après les gens ils vont pas me croire et tout, et bon ça... Wow, ça marche. Voilà, Jésus-Christ a confirmé dans le chat, wow, ça marche. Bah moi je suis comme ça, hein. Toujours le cœur sur la main pour mes abonnés. Ça a toujours été très important pour moi que vous compreniez à quel point vous êtes respecté. Pourquoi ma maman fait de hot tub? Ah oui, bah alors vous allez peut-être découvrir des trucs comme certaines streameuses. Merci Sico Wins, un an de sub. No joke, ça marche vraiment. Bah ouais, mais vraiment, vraiment, vraiment. Fildrong ne vous arnaquera jamais. Et est-ce que vous saviez que si vous mettiez pour chaque sub offert pour chaque sub offert vous avez une chance de gagner à Euromillion. Après, il faut jouer à Euromillion aussi. Petit passier. Merci Konoaki. Merci beaucoup. Bon, allez, on s'amuse, mais évidemment, c'est faux. En vrai, je sais pas pourquoi je dis évidemment, c'est faux. Je pense que c'est évident que c'est faux. Mais bon, il y a peut-être des jeunes qui regardent mon stream. C'est une blague, je rigole. Attends, c'était pas faux ? Non, ça veut rien dire ce que tu dis. Désolé, Sico, je t'ai menti. Je t'ai menti juste pour avoir ton sub. C'est vrai que si on sub, on trouve le Graal. Ah, ça, c'est vrai, par contre. Ouais. Si vous subez, vous allez trouver le Graal. Ouais. Ça, par contre, 100% confirmed. On va aller dans la faille, là, mais j'attends que le jour se lève. On voit rien, on va rien voir sinon. Oh, il y a une zone de métal ici. Le jour se lève. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? On voit rien. On voit R. C'est des Pokémon, ça?
C'est quoi ça? Ouais, il y a des bigards, on s'en bat les couilles. Là, il y a des Arsox. Eh, hey, attends, Arsox, ça me dit rien, je crois que je l'ai pas. Hein. Ah oui, non, ça, je l'ai pas. 100%, je l'ai pas. Bonjour, Arsox. Ah non, j'en ai plein, j'en ai 6. Mais je suis con, c'est celui qui est dans mon équipe. Ah non, c'est Reptiro. Merci, Izuka. Qu'est-ce qui vient de se passer ici? Merci, Izudenka, pour ton sub, c'est adorable. J'ai pas très bien compris, il y a des... Ah oui, mais c'est les Pokémon qui s'explosent, c'est pour ça. Ok. Le random niveau 9 qui m'agresse, là, c'est bon, là. Ah. Bon, par contre, c'est un peu gâché, hein, ce que j'envoie pour elle, mais... Ah, ici, c'est une zone de feu de plus bas niveau. Ok. Ok, super, la... Tu l'esquives. Salut. Regardez, ils sont pleins, ils sont partout. Il y a un Wixen. Man, il est passé devant moi, ce con. Ok, il y a une Elisabi. Tu t'es vraiment échappé de la sphère, toi. Oh non, les bigards m'en veulent maintenant. Bah oui, forcément. J'ai capturé sa pote. Niveau 41, les gars. Eh. On s'approche des niveaux max. Il me reste que 9 niveaux et je suis niveau max. J'ai un peu de mal à gérer le machin. Ah oui, c'est vrai, elles essaient de se suicider, elles. Elles sont marrantes. Aïe! Alors, Mossanda, il m'en reste pas beaucoup des Mossanda à capturer, je crois. Il y a un coffre là. Oh! Faut vraiment s'arrêter, monsieur. Les Gorirad, je les ai tous. Non, mais sérieux! Arrête! Ok, j'en ai 8 sur 10. Sort toujours de leur balle. Où je me nourrisse. Tac, 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 ok. On continue, hein, on capture hein, tant qu'on y est. Hein. C'est gratos. C'est gratos, ça fait énormément d'XP aussi. Oh oh. Merde. J'avais pas vu qu'il était en mode agressif. Ok, on continue. Arsox, on a quasiment fini. Je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier. Flambelle, celle-là, on va les one-shot si on leur tire dessus. 9 sur 10. La pauvre. Attendez, je vais remettre de la musique.